Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc en toute logique, je ne devais pas vlogger cette semaine. Là, il est 9h15. Donc j'ai pas vlogué hier puisque hier j'ai fait la vidéo du 31. J'avais dit que je ne vloggerais pas cette semaine, que je prendrais une petite semaine de repos, mais je m'ennuie. Voilà. Moi, quand je filme pas et que je suis pas en montage et compagnie, je me fais chier tout de suite. Donc là, je me suis dit, toute la semaine sans filmer, oh non, elles vont trop me manquer. Donc me voilà. Donc je vous préviens tout de suite, ce vlog risque d'être extrêmement chiant. Mais alors, quand je vous dis extrêmement, c'est extrêmement parce que j'ai absolument rien de prévu cette semaine. On a le réveillon, on fait ça à la maison tous les trois avec, avec Chérie et Georges. On fait une fondue normalement. Chérie a décidé. Si mon frère me répond un jour pour l'appareil, parce que j'ai pas d'appareil. Donc il faut que mon frère me prête le sien et il m'a toujours pas répondu. Bref. Donc programme de la journée, ben pas grand chose. Je dois nettoyer. Donc le ménage, on s'en fout. Voilà. Faut que j'aille prendre ma douche, mais je sais pas du tout à quelle heure je vais y aller. Il faut que je lave mes cheveux. Donc faut pas que j'aille trop tard. D'habitude je vais vers entre 2 et 4 hein, moi, la douche. C'est des heures bizarres, je sais, vous me l'avez déjà dit. Hein, mais normalement entre 2 et 4 je vais prendre ma douche. Comme ça j'ai le temps que mes cheveux soient secs avant d'aller me coucher. Puisque je les attache pour dormir. Donc il faut que ce soit sec, sinon ça fait des trucs un peu bizarres. Et voilà, j'ai pas du tout ce que je vais vous montrer cette semaine. Parce que je vous dis, j'ai rien à montrer. J'ai pas de montage à faire, hormis du coup le vlog. J'ai pas. Enfin, il y a les vidéos qui vont continuer à se publier, donc il y a les réponses aux commentaires et tout ça. Et ça, c'est le soir. Donc là, je pense que. Aujourd'hui, je vais absolument nettoyer. Il faut absolument que je nettoie. Que je range un peu, bordel. Parce que vous voyez pas ma table. Mais vous savez, je l'avais rangée la dernière fois. Il y avait du linge qui traînait. J'ai re-rangé tout le linge qui traînait. Ben, c'est de nouveau un carnage. Il y a de nouveau du linge partout. En plus, il y a tous les cadeaux qui traînent de Noël encore. Enfin, pas les miens sont rangés. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo, mercredi. On testera mes cadeaux de Noël ensemble. J'ai hâte de la faire parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de tester quand même. Hein, donc, ce serait peut-être temps que je m'y mette. Mais je pense que c'est à peu près tout. Chéri a pris les colis Vinted puisqu'on est mardi. Et il a pris les colis Vinted ainsi que les lots des deux gagnantes. Enfin, des deux gagnants puisqu'il y a un monsieur dedans. Donc, avec un peu de chance, ils ont moins reçu leur lot aujourd'hui que la vidéo sort. Sinon, ça sera début de semaine prochaine, hein, les gars, vous inquiétez pas. Donc, je suis contente, ça vous a plu, le concours vous a plu. Et voilà, j'ai hâte de lancer le prochain, mais je ne sais pas quand. En principe, j'essaye d'en faire que un ou deux sur l'année, hein, j'en fais pas non plus des masses. Donc, on verra bien, peut-être pour les 5K, hein. Si on y arrive avant Noël prochain, qui sait. Voilà, voilà. Bref. Et vous? Vous avez quoi de prévu cette semaine? Racontez-moi tout. Alors, je bois mon café dans mon nouveau... j'ai retrouvé ça au fond d'une armoire qui était emballée. Encore, je ne l'avais jamais ouverte. Ça vient de chez Action, je crois. Hein. Normalement, il y a le couvercle. Mais c'est un demi-litre. Donc, au moins, ça m'évite de courir toutes les 5 minutes à la cuisine. Et du coup, je fais des économies de Dolce Gusto. Parce que ça coûte cher, les capsules. Ah oui, dans les vlogs aussi, au fil du mois, donc une fois par mois, hein, dans les vlogs, dans les weekly vlogs, je vous parlerai aussi un peu de ce que j'aurais réussi à mettre de côté grâce à vous. Parce que là, la monétisation de décembre, c'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, où je tourne la vidéo, on a 155 € de revenus. C'est un truc de fou. C'est le double de ce que j'ai d'habitude. Bon, après, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de vidéos. Mais je vois aussi que vous laissez pas mal défiler les pubs et que bon, il y a eu les dons aussi sur dans le super chat et tout ça. Il n'y en a pas qui se sont rajoutés, je crois, sur Tipeee. Il faudrait que j'aille vérifier, mais normalement j'ai pas reçu de mail. Donc sur Tipeee, on doit être à 15-20 €. Bah, c'est pas rien, hein, c'est déjà bien. Et j'ai presque 100 € de vente cette semaine sur Vinted. Donc je vais réussir à mettre. Entre 250 là et 300 € de côté, quoi. C'est un truc de fou. Plus mes 150 € de budget mensuel, mais là, je les ai mis sur PayPal, parce que j'ai déjà dû les utiliser pour payer les frais d'envoi mondial relais des lots, du concours.
Et comme ça, si jamais j'ai des trucs à recommander en urgence ou quoi, j'ai quand même un peu de sous sur PayPal. Les autres, à partir du mois prochain, je mettrai directement sur le compte épargne. Et voilà. Vous êtes trop génial. Trop génial. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais vous reprendre. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire cette semaine. Mais je vous prendrai de temps en temps, même si c'est juste pour papoter là, ici. On verra bien. Je ne sais pas si aujourd'hui, je vais me maquiller ou pas. Pour faire le ménage, c'est peut-être un peu con. Après, d'habitude, je me maquille, même que je sois en pyjama et que je traîne à la maison. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais là, juste pour faire le ménage et puis aller à la douche, c'est peut-être un peu con. Après, on est à l'abri de rien et moi, il suffit que je m'emmerde un peu et que je me maquille. Moi, je vais acheter mon café déjà pour commencer ma journée, faire mes soins. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Donc là, il est midi moins 10. J'ai fini de nettoyer le sol. Faut que je range encore un peu et je vais aller à la douche maintenant. J'ai froid, ça me fera du bien d'aller à la douche. Et comme ça, mes cheveux ont bien le temps de sécher d'ici ce soir en regardant des épisodes d'Esprit Criminel. C'est mon nouveau truc du moment. Je suis en train de me retaper tous les Esprits Criminels depuis le début. Puisque j'ai eu un mois gratuit sur Amazon Prime pour tester. Et du coup, j'en profite pour tester Prime Vidéo. C'est bien, mais il n'y a pas grand-chose en français, hein, les gars. C'est bizarre. Voilà. Donc, je vais regarder ça en me séchant de ma douche. Tout simplement, en mangeant un bout. Il faut que je mange aussi. Donc là, tout simplement, je vais réchauffer. Hier, on a mangé raclette. Et du coup, il me reste une patate avec une tranche de fromage et deux bouts de canard et deux bouts de bœuf. Voilà, ça fera mon repas de midi. Donc, je vais manger ça. En attendant que Georges se lève, parce qu'il va être midi, il n'est toujours pas debout. Hein. Voilà. Sinon, je pense que le programme de la journée est pas mal entamé. Je pense que ça va être principalement du glandage tout l'après-midi. Là, il faut que j'aille ranger mon linge. J'aimerais bien que monsieur range le sien aussi. Ça serait chouette, parce que j'avais envie de se traîner ces paniers-là. Mais non. Il ne veut pas que je touche à sa garde-robe parce que j'ai pas une très bonne organisation de garde-robe. Donc il ne veut pas que je touche à sa partie. Voilà. Comme ça, vous savez toute ma vie. Voilà. Et c'est aussi lui qui fait le repassage. Donc j'attends qu'il repasse son linge. Moi, je ne repasse pas le mien. Mais j'attends que lui repasse le sien. Parce que monsieur adore repasser et moi, j'ai horreur de ça. Donc voilà. Sinon, cette semaine, je vais aussi essayer de ranger ma bibliothèque. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que je cherche mes livres dans ma bibliothèque. Donc je pense que je vais mettre les livres dans mon bureau en haut, dans mon armoire rouge. Et garder l'armoire. J'aimerais bien acheter des portes et des tiroirs et tout ça pour le meuble, vous savez, à carreaux, là, chez Ikea. Mais j'ai fait le compte, il me faut 165 euros. Donc voilà. À moins que je demande ça pour mon anniversaire, mon chéri. Je ne sais pas encore, on verra bien. Ah non, tracteur. Bon, là, je viens de nettoyer, mais quand je pense que ce soir, il y aura de nouveau des poils partout, puisque le chien est en train de muer, et on adore quand il mue, parce que ça me fait des gros pompons comme ça partout dans ma maison. Il y a mon chat qui vient se péter avec le soir. Voilà, je suis dans le canapé, il faut qu'il vienne. Voilà, monsieur Momouche. Tiens, regarde là. Oh, regarde là. Oh, Momouche. Le chat qui sert à rien. À part dormir. Alors, il a horreur des bisous, regarde. Il a horreur des bisous. Il adore les câlins, mais il a horreur des bisous. Vous risquez de le voir souvent parce qu'en ce moment, c'est un vrai pot de colle. Ah oui, t'as un pot de colle à ta maman, hein. Ah oui. Oh, c'est un petit pot de colle à sa maman. Bah oui. Oh, le gros pot de colle. Hein? Oh, c'est un gros pot de colle à sa maman. Bah oui. Mon bijou. Oh, t'aimes pas. Bijou. Mon bijou. T'as vraiment horreur des bisous. Hein. Il est pas net, ce genre. C'est un pot de colle. On peut le tripoter autant qu'on veut, mais les bisous, ah, pas possible. Hein. Ah non. Hein. Tu fais des ronds. Voilà, mon petit chat de gouttière. Enfin, pour l'instant, il est en pleine hibernation. Monsieur, à part manger et dormir, ne fait pas grand-chose de sa vie. Enfin, vous avez déjà vu sur Insta, il dort devant le poêle à pelé, là. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas ton coussin. C'est sec, je vais aller te le remettre. Donc, je vais aller lui remettre
J'ai des poils partout. Ça y est, maintenant, ça va me chatouiller. Je crois que je suis allergique aux poils de chat, en fait. Je vais aller lui remettre son coussin. Moi, je vais aller mettre chauffer la salle de bain pour pouvoir prendre ma douche. Il me squatte. Et je vous retrouve un petit peu tout à l'heure avant de clôturer la journée, avant que monsieur rentre, je pense. Enfin, quoi qu'il risque pas de rentrer tôt, vu qu'il doit aller déposer les colis au point relais et aller acheter à manger pour les chiens. Et des cafés. Parce que j'ai plus beaucoup de café. Oh, si j'ai plus de café, je suis un vrai monstre. Je suis comme les gremlins après minuit, moi, quand j'ai pas de café. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà. Je viens d'aller voir au courrier et j'ai un petit paquet à l'express. Je vais vous les ouvrir comme ça dans les vlogs parce que je pourrais pas faire un haul. Déjà, j'attends pas grand chose. Et ce que j'attends, j'attends depuis des mois. Et ça n'arrive pas. Donc, on va faire comme ça dans les vlogs. Je vous ouvre ce que je reçois. Là, c'est emballé très bizarre. Je me demande si c'est pas le liner kit. Ah oui, je crois que c'est ça. Ouais. Bien protégé en tout cas. Vache. Ouais, c'est ça. J'ai reçu le liner cake. Alors, je l'ai pris en or parce que les autres teintes, j'ai déjà l'équivalent à peu près chez Tammy. Et je me suis dit, comme ça, je vais essayer voir si ceux d'AliExpress valent le coup ou pas. Si je me commande d'autres teintes après. Il a l'air pas mal à voir comme ça. Il a l'air un peu plus gras. Ah oui, il est un peu plus gras que les Tammy, par exemple. Parce que les Tammy, vous faites ça, s'il n'est pas humidifié, vous n'avez absolument rien. Mais il a l'air pas mal. Écoutez, je testerai ça et on verra si ça vaut le coup par rapport au Tammy ou quoi. Je crois que je dois recharger mon poil d'urgence. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais pas très cher. C'était José, une abonnée, qui m'avait partagé l'info. Donc on verra bien. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos si vous voulez aller voir. Vous ne me voyez pas comme ça. Ah, je vais m'asseoir alors. Hello, donc nouvelle journée. On est le... Ouais, je vous l'ai affiché de toute façon, le 30 décembre. Donc là, je vais vous tourner la vidéo de mercredi prochain, le 6, je crois. Ouais, il me semble. Où je vais tester mes cadeaux de Noël. Donc vous aurez un petit aperçu à la fin de ma vidéo, puisque je vous reprendrai certainement juste après. Voilà, voilà. Hier, je ne vous ai pas repris parce que, ben, du coup, chérie est rentrée. Et... Oh. Et je devais donc faire à manger, mais je suis tombée à court de gaz. Donc il a couru au magasin pour acheter du gaz, mais il n'y en avait plus. Donc là, il va devoir aller chercher du gaz en rentrant du travail. Et ensuite, on doit aller chez mon frère chercher l'appareil à fondu pour demain. Oui, c'est demain. Et je dois aussi voir pour la semaine prochaine s'il y a besoin de moi pour les enfants. Voilà, voilà. On doit aller acheter de la poulette pour les chiens aussi parce qu'il n'y a plus de poulette pour les chiens et des merguez parce que ce week-end je vais certainement faire un couscous. Voilà, couscous rapide hein. Je vous le montrerai peut-être, je ne sais pas encore. Après la vidéo je vais vous montrer aussi puisque aujourd'hui, jour où je tourne la vidéo, vous avez eu le rangement où je réorganise mes tiroirs et j'ai changé un petit peu les rouges à lèvres, donc je vous montrerai ça après ma vidéo. Voilà. Ben là, je vais tourner, je vais mouiller mes petites éponges. Non, pas les mouiller, c'est pas bon. Je vais mouiller mes petites éponges et puis je vais faire le make-up. Et voilà. On se retrouve juste après. Voilà, je viens de finir de tourner ma vidéo, donc il est 13h. Je vais aller manger, j'ai la dalle, c'est pas étonnant. D'habitude, je mange beaucoup plus tôt que ça. Donc voilà, j'ai testé mes cadeaux de Noël et je suis plus que ravie, vous pouvez vous en douter, parce que j'ai vraiment été gâtée cette année. Donc vous aurez ça mercredi qui vient, voilà. Je vais juste vous montrer mon tiroir à rouge à lèvres, puisque vous avez eu le rangement, la réorganisation de mon tiroir, enfin de mes tiroirs, de mon rangement make-up quoi. Et j'ai changé un petit peu les rouges à lèvres en fait, enfin un petit peu, pas un petit peu, j'ai changé les rouges à lèvres pour avoir un peu plus de visibilité, donc je vous montre ça. Voilà, du coup j'ai juste mis une boîte ici pour les rouges à lèvres raisins et les gloss, et les crayons, les jumbo pour les lèvres. Ici j'ai mis les métalliques, ici les glitter flip et là les teintes un peu plus étranges. Et ici j'ai mis tous mes... Oh bah celui-là je vais peut-être le mettre ici d'ailleurs, voilà.
Ici, j'ai mis tous mes rouges à lèvres liquides mat. Voilà. Donc, vous avez principalement Catrice. Ici, c'est un Sephora. Ici, c'est deux marques que je connais pas, que j'ai eu dans un swap. Deux AOA qu'il faut que je teste. Ici, c'est NYX. NYX, Focalure. Et un Bourjois Rouge que je garde pour si je dois faire du liner rouge. Et ici, c'est un petit, une petite boîte avec du bordel. Voilà. Et ici, j'ai donc rangé comme ça. J'ai mis les mini ici que j'ai eu dans le... Dans le calendrier de l'avant essence, donc je vais rapprocher mon micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. Et du coup, je vais mettre les Jeffree Star aussi ici, mais bon, là, je vais pas le faire quand je vous tiens, parce que sinon je vais faire des catastrophes. Voilà, et j'ai encore eu un mini Anastasia, donc je vais le mettre à côté de l'autre. Voilà, et celui-ci, je vais le mettre ici. Voilà, parce que les mini, je vais essayer de les finir quand même assez vite. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, ça n'a pas changé par rapport à la vidéo. Voilà. Donc là, je vais achever, je vais ranger mon bordel parce que je fais toujours un bordel monstre quand je fais des vidéos. Hein, je crois que vous commencez à le savoir. Et voilà. Après, je dois aller. Donc là, il est déjà 13h, je vais aller manger. Je vais faire le montage de la vidéo là parce que j'aime pas traîner moi. Quand je tourne une vidéo, il faut que je fasse le montage assez vite. Et je pense pas que j'arriverai à vous reprendre aujourd'hui. Puisque après le temps que je mange et tout, après je dois être prête pour quand Thierry arrive, pour qu'on aille chercher la poulette pour le chien, chercher du gaz et chercher à Paris chez mon frère. À Paris, il a fondu. Attendez, je chope mon café. Qui doit être froid depuis le temps. Mmh. Oui, il est froid. Donc voilà, je crois que ça aura été très court pour aujourd'hui. Mais bon, au moins je vous ai pris un petit peu aujourd'hui. Je vous avais dit que cette semaine n'allait pas être super passionnante. Surtout que je n'ai pas tourné en bas en ce moment puisque Georges est en train de geeker et qu'il ne sait pas fermer sa gueule 5 minutes. Hein. Il est en train de gueuler sur ses coéquipiers dans son casque et tout. Et alors il a un bon casque Amazon hein, que je lui ai offert à Noël. Là. Ben, il est très bien hein, le casque hein, parce qu'il n'entend rien de ce qui se passe autour de lui. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ben, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et puis je vous reprends de toute façon demain. Ah oui, je voulais faire mes ongles aujourd'hui. Je vais peut-être vous prendre pour faire les ongles quand même. En musique peut-être. Ben, je vais juste mettre du VSP ou je fais ça demain. On fera ça demain. Demain, on se fait une petite journée cocooning avant de se préparer pour le réveillon. Je vous filmerai mon make-up aussi. Et comme ça, on fait les ongles et on sera des petits masques aussi. Avant de se maquiller, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça peut être sympa. Donc je vais préparer ce qu'il me faut pour faire mes ongles demain avec vous et voilà. Donc il est actuellement 7h34, ça fait précisément 3h que je suis réveillée et 2h que je suis levée, voilà, et ça fait presque 1 heure que je suis sur mon montage déjà, voilà, voilà, donc la journée promet d'être épuisante, ça pue la sieste, machin. J'en suis également à mon deuxième 2 minutes de café. Nous avons Georges qui n'a pas encore dormi et qui glande dans le canapé au lieu d'aller se coucher. Voilà. Donc bah là, je vais achever mon montage. Et puis, je sais pas, à mon avis, je devrais me recoucher un peu. Puisque je suis vraiment fatiguée. Et après, on se fera nos petits soins. Le petit make-up du réveillon que je vais certainement enlever avant. L'heure du réveillon parce que je vais certainement passer le réveillon en pyjama non maquillé, enfin sans make-up puisque on n'est que tous les trois donc, on va pas trop se casser la lunette non plus hein. Mais bon, je vais quand même me maquiller parce que je me maquille quasi tous les jours parce que je peux pas rester sans make-up, c'est sans le make-up je peux rester, c'est le fait de pas me maquiller en fait de la journée qui me... J'aime pas. Voilà, ça me fait du bien de me maquiller, donc je me maquille. Bref. Donc ben là, je vais achever mon montage, qui est la vidéo de mercredi qui vient, donc où je teste mes cadeaux de Noël. Et voilà.
Sinon, il n'y aura pas grand-chose de spécial aujourd'hui parce que chérie va certainement rentrer plus tôt du travail. L'avantage quand on a un poste bien placé, c'est qu'on fait un peu les horaires qu'on veut. Hein. Monsieur ne se fatigue pas trop. Sinon, j'ai eu un problème pour allumer mon poêle ce matin. Les pellets ne descendaient pas dans le truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, ça va être allumé. Le chat est sur sa place habituelle, le coussin juste devant le poêle. Genre, je fais du bruit avec la porte, comme d'hab. Donc là, il est 8h30 et je viens de terminer le montage de la vidéo de mercredi. Elle fait 38 minutes. Hein. Accrochez-vous, les gars. Donc là, ça va s'enregistrer. Maintenant, j'en ai au moins pour une heure d'enregistrement, voire un peu plus. Parce que les vidéos longues, ça prend plus de temps, forcément. J'aurais pu mettre mon anneau lumineux, mais j'ai pas envie de m'éblouir la face avec ça, parce que j'ai déjà les yeux défoncés comme ça. Là, je pense que je vais aller me recoucher 2 heures, 1 heure ou 2. Parce que je suis fatiguée, tout simplement. Voilà, 3 heures de dodo, c'est pas beaucoup. Peut-être 4 heures. J'ai été couché à quelle heure hier? Je sais plus. Bref. Donc là, je pense que tant que ça enregistre, moi, je vais me recoucher un peu. Comme ça, après, je me lève. On pourra faire les soins. Faire mes ongles. Parce que j'aimerais bien refaire mes ongles, juste mettre du VSP, mais les refaire quand même. Un petit make-up. Et puis voilà, après, je pourrais tout préparer pour l'apéro de ce soir et la fondue. Chérie a déjà été acheter la viande. Donc on a pris 3 plateaux repas, enfin 3 plateaux fondus. Non, 2, il a pris 2 plateaux. Un avec des boulettes et des saucisses, je crois. Un avec de la viande exprès. Et il a repris juste 2 steaks, 2 bons steaks pour couper en petits morceaux pour mettre dedans. Faut que à 5h30, il doit aller chercher l'appareil chez mon frère parce que du coup, on n'a pas été hier. Donc on fait la fondue avec des pommes noisettes et une salade de tomates. J'aurais préféré une salade classique parce que les tomates, ça me donne de l'acidité. Mais on se fait un petit apéro avant. Donc on se fera un apéro en regardant ici tout commence et demain nous appartient. Et puis après on mangera pendant le bêtisier. Donc tout ça je vous filme pas puisque comme chérie veut pas être filmée de toute façon je vais... Voilà, chacun son réveillon. C'est privé entre guillemets mais je vous l'avais fait une année où j'avais filmé notre réveillon dans le Get Ready. Je sais plus de quelle année ça date. On avait fait le jeu des... Des bonbons Bertie Crochu, là, pas bon. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on est pas mal pour la journée, déjà. Hein. Je suis crevée. Je sais pas si je suis la seule à mal dormir en ce moment, là, mais ça commence à être vraiment fatigant. En plus, la semaine prochaine, retour à la réalité, il faut se relever à 6h pour l'école, sans compter... Enfin, moi, je me lève à 6h30 en règle générale, mais là, je dois me lever à 6h parce que je dois emmener les petits de mon frère. Je suis déjà épuisée, rien que d'y penser. Bon, pas le lundi. Je gagne déjà le lundi, donc j'aurai que 4 jours à faire le taxi. Et voilà, après, ça ne change pas grand-chose en soi. Hein. C'est juste que je me lève 20 minutes plus tôt. Je crois que c'est 20 minutes. Il y a le chien qui dort. Hein. Il dort bien, bien. Hein. Ah. Le gros bébé qui fait dodo. Ça va mon propre. Ah, il y a Chico avec. Là. Vous voyez, elle est couchée, elle a froid, alors elle est couchée dans ses pattes. Vous faites dodo les loulous. Oh, ils sont fatigués. On va aller au dodo. Qui c'est qui va aller au dodo avec maman? Tu viens au dodo avec maman? Oui, t'es venu me faire chier cette nuit. Ah oui, je sais que vous aimez bien les voir. Vous aimeriez bien les voir un peu plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre un peu dans les vlogs pour pas faire trop redondant avec les vidéos. Donc dites-moi s'il y a des choses que vous voulez en particulier que je vous montre dans les vlogs. Pas trop de recettes les gars parce que je vous dis, nous la bouffe c'est souvent de la bouffe caca. Donc voilà, on fait du rapide, on fait toujours très souvent la même chose. Et après il y a quelques petites recettes que je peux vous montrer mais j'ai pas grand chose à vous montrer de base. Hein. Un jour sur deux c'est chéri qui fait à manger. Par contre, dans un vlog, il a eu à Noël une machine pour faire les soupes. Enfin, c'est une espèce de bouloir, comme ça, vous mettez tous les ingrédients dedans, ça chauffe, ça cuit et puis ça mixe en même temps. Donc ça, je lui ai dit quand même qu'on essaierait la prochaine fois qu'il en filme, que j'essaye de vous le filmer. Donc, je vous montrerai pas la tête de chéri, bien sûr, mais je vous montrerai au moins comment ce qu'il fait. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal.
Sinon, c'est lui qui fait à manger un jour sur deux, hein, on se partage la tâche. Et lui, c'est très souvent la même chose, hein, principalement frites, fricandelles. Voilà, c'est son repas préféré à monsieur. Donc on mange très souvent ça. Enfin, après, je crois qu'il aime bien juste parce que ça va super vite à préparer. Hein. Mais ouais, bah dites-moi ce que, en commentaire ce que vous aimeriez bien que je vous montre au fil des vlogs. Alors, je vous montrerai pas tout d'un coup, hein, forcément. Sinon, on aura un vlog qui va durer 3 heures avec plein de contenu, puis les autres où on va se faire chier grave. Donc, je vous montrerai de temps en temps dans un vlog un truc que vous m'avez demandé. Et voilà. Sinon, bah, il neige. Il neige même bien, bien. J'aime pas la neige. Voilà, bon, bah écoutez, je vais aller dormir un petit peu, je vais mettre mon réveil à 10h30 pour être sûr si j'avais le facteur de passer, et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc là, il est 11h35, j'ai été me recoucher jusqu'à 11h parce que je ne tenais plus. Donc je viens de recevoir mon colis Amazon, c'est une batterie externe en fait pour l'éclairage que je mets là. Ça sera plus simple pour vlogger parce que c'est une prise USB, donc j'ai les adaptateurs mais la prise est assez courte. Donc c'est un peu chiant, là il est branché directement sur le PC, mais je me suis dit comme ça, si je veux vous prendre vraiment partout avec moi, bah, je peux, j'ai pas de limite de me stocker à côté d'une prise quoi. Donc dedans il y a le petit câble, elle est super, ah je la pensais pas si grosse, elle est énorme, elle fait la taille de ma tête, elle est énorme, je la pensais pas si grosse que ça. Il y a deux prises USB en plus, donc on peut brancher deux trucs. Donc même si mon téléphone se décharge, je peux le brancher aussi. Donc bah voilà, là elle est gelée, donc je vais la laisser se réchauffer. Après je la mettrai en charge et puis on verra ce que ça donne un autre jour. Ouh, sans mes lunettes, vous voyez bien mes grosses cernes. Ouh, c'est beau. Donc en parlant des grosses cernes, je vais commencer par me mettre des patchs en dessous des yeux. Donc là c'est une boîte que j'ai commandée sur AliExpress. Alors je vous les conseille pas du tout. Du tout. C'est la marque Jotam. J'avais pris ça sur AliExpress parce que voilà, c'était pas cher et que c'était pratique. Mais je pense que je vais essayer de voir pour en trouver d'autres. Hein. Ils sont superbement beaux. Ils sont tout pailletés. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'il y a du jus dedans. Du jus. Ça m'affaire dans le jus. Mais alors, ils sont hyper fins. Ils perdent leurs paillettes. Ils tiennent pas en place. Ils sont crôlés. Ça ne fonctionne absolument pas. Donc là, je vais mettre le gros côté en coin interne pour bien dégorger un peu tout ça. Voilà. Ça dépend, hein. Des fois j'alterne, je mets le gros côté de l'autre côté. Hein. Ça dépend. Là, on va le mettre comme ça. On va essayer de bien dégorger. Donc dedans, vous avez la petite cuillère pour choper les trucs, mais c'est quand même pas évident. Hein. Ils tiennent pas bien, franchement. Ceux du Action sont beaucoup mieux. Bon, le plus chiant, c'est qu'ils tiennent pas bien en place et qu'ils perdent leurs paillettes. Sinon, le reste, ça va, mais après, je vois pas vraiment de... Moi, je les range au frigo, comme ça, ils sont bien frais et ça va me faire du bien, là, sous l'œil. Donc, voilà. Je vais laisser agir ça 10-15 minutes, suivant le temps que ça tient, en fait, parce qu'ils vont glisser à la longue et ça va me pomper. Donc, je vais l'enlever. Et voilà, tout ça en buvant mon petit café d'après-sieste et en regardant Esprit Criminel, encore, hein, pour changer un peu. Je suis à fond dedans pour l'instant, donc... Donc voilà, donc je vous retrouve dans une dizaine de minutes. Ok, il est 51, donc on va dire que c'est bon, parce que vous voyez, il commence à descendre. Là, il est déjà sec en fait. Il reste pas très longtemps froid et pas très longtemps imbibé de produits. Mais bon, on dira que c'est bon pour ça. Donc voilà, je les enlève. Et maintenant, je vais avoir des petites paillettes partout, logiquement. Ça a l'air d'aller encore, mais bon, j'ai pas mon miroir. Oh, vous les voyez bien, mais c'est bien, bien. Ouh. Je suis complètement explosée. Ça se voit ou pas? Voilà. Le plaisir de dormir que quelques heures sur la nuit. Donc ensuite, je vais faire un masque. Un vrai masque, pas un masque en tissu. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'avais eu l'échantillon du Glam Glow, comme ça, dans le swap avec Manon. Donc c'est le masque soin illuminateur flash... Mude. Ah, c'est l'orange quoi. Donc j'ai jamais testé Glam Glow, hein, forcément, c'est pas du tout. D'habitude je prends mes masques chez Action, rien à voir. Donc je me suis dit qu'on avait testé celui-là. Donc ils disent de le mettre en mouvement circulaire pour activer le gommage. Et de laisser poser après pendant 20 minutes. Et de rincer après. Allez. Par contre j'en ai eu un dans le swap avec Manon, qui est aussi un gommage slash masque.
je sais plus la marque, je l'ai mis sous ma douche et je l'adore. Il sent bon, c'est comme ça, c'est extrêmement bizarre. Ah oui, on sent bien les petits grains dedans. Hop. Et donc, on va en mettre un peu partout. Je suis dans le retour, c'est pas évident. Et on va l'étaler en faisant des mouvements circulaires, sans trop appuyer. Normalement, je prends avec un pinceau, hein, parce que j'aime pas d'avoir plein les doigts. Mais là, il faut l'activer au doigt, donc enfin faire le gommage. Je crois que j'en ai à peu près partout, ça a l'air pas mal. Donc je vais aller laver mes mains. Et on se retrouve dans 20 minutes quand je l'aurai rincé. Hein. Je le rince en même temps parce que là, je vais devoir aller me rincer à la cuisine. Et on verra si j'ai une peau éclatante après. Ça va pas aider pour mes cernes, mais on verra si j'ai une peau éclatante. Alors, verdict. Est-ce que vous me trouvez plus lumineuse et plus radieuse? En tout cas, j'ai la peau super douce avec ce petit gommage. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que ça a un petit peu illuminé la face. Hein. Regardez, on le voit ici. Ouais, ça illumine. Bon, à mes taches pigmentaires, c'est toujours... J'ai l'impression que je me suis pris une trace de sabot de cheval, là, et que ça me fait des traces. Mais, enfin, vous voyez, ça fait la forme d'un sabot de cheval, d'un fer à cheval. Voilà. Bref. Donc, maintenant, je vais passer à un masque en tissu. Je vais prendre celui à l'ananas de chez Evora, que j'ai eu également dans le top, la part de Manon. Donc, je vais dessorer un petit ch'touille, parce que sinon... Il y a beaucoup trop de produits qui sortent de ces trucs-là. Ah, il sent l'ananas. Waouh. Voilà. Il est rosse. Il a sorti mon pyjama. Je vais mettre un pull après, hein, vous inquiétez pas, je vais quand même faire semblant d'être habillée. Je garderai mon bas de pyjama, mais je vais mettre un pull. Donc, il y a une protection pour enlever le masque. Alors, de quel côté se trouve la protection? De quel côté se trouve le masque? Le masque est ici. Ok. Voilà. Je vais essayer de le choper. Ils sont super bons, l'ananas. Bon, en même temps, c'est un masque à l'ananas, donc il ne va pas sentir la fraise, mais il sent bon. Ok, c'est parti. En mode Casper. Oh, bah de près, ça sent plus aussi bon. Oh, les trous des yeux sont toujours trop petits pour moi. Une bouche aussi. J'ai une grande gueule, je sais. Et on va rester comme ça 20 minutes. Bon, je vais continuer mon épisode. J'en suis allée à la saison 2, épisode 9. Voilà. En 2-3 jours, c'est pas mal quand même. Voilà, j'ai laissé poser mon petit masque Sephora en tissu. Bah, j'ai la peau hyper lumineuse. Hein. Donc là, je vais. Il faut que j'emballe. J'ai fait une vente Vinted. Il faut que j'emballe parce que je ne sais pas si chérie aura le temps de passer avant d'aller déposer les colis. Donc je vais l'emballer pour être sûre. Je pense que j'aurai pas le temps de faire mes ongles. Enfin, quoi que si. On verra après. Je vais d'abord. Je vais emballer le colis pour Vinted au cas où mon homme passerait le reprendre et je vous retrouve pour le make-up. On va passer au make-up, comme ça ça fera une petite trentaine de minutes que les produits ont été absorbés, donc on pourra se maquiller la face pour ressembler à quelque chose. Alors il est 13h50, franchement je sais même pas si je vais me maquiller en fait, parce que là il est 13h50 quand même. Chérie vient de rentrer. Il est repassé chercher le colis, donc il est gentil. Donc du coup, la cliente, l'acheteuse va être contente. Je suis un peu basse, hein. Va être contente de le recevoir plus tôt. Je vais même pas me maquiller, en fait. Ça sert à rien. Si je me démaquille vers 17-18 heures, j'ai l'impression d'être gonflée, d'avoir la tronche bouffée. Je suis bouffée. Je vais vous filmer les ongles en musique, tiens. C'est surtout pour celui-là qui est jaune, hein, par rapport aux autres, forcément. C'est la main où je tiens ma clope. ouais, puisque comme chérie, là, elle va revenir d'avoir été déposer le colis. Je vais juste vous filmer les... Je ne sais plus parler. Je suis fatiguée, hein, extrêmement fatiguée. Je vais filmer mes ongles en musique. Et tant pis pour le make-up. Hein. Je resterai en pyjama... Le relion, c'est le relion. C'est bas. Et voilà, de toute façon, on doit juste préparer l'appareil à fondu, cuire les pommes noisettes à friteuse et préparer les tomates. Donc, il n'y a pas vraiment de préparatif à faire. Apéro, c'est juste un paquet de chips et trois toasts. Hein, voilà. Il ne faut pas non plus que je me gave à l'apéro, parce qu'après, il faut que je mange un petit peu de la viande.
Ben voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même filmé pas mal, beaucoup de blabla, hein, on est d'accord, mais j'adore blablater avec vous, vous le savez maintenant. Demain je vous retrouverai certainement avec à peu près la même tronche, hein, puisque je ne serai pas couchée avant minuit au moins. Je suis en train de voir que j'ai plein de vidéos en retard, j'ai même pas encore vu la dernière de DJ. J'ai pas le temps, le temps de rien. Voilà, aujourd'hui c'est pas que j'ai un manque de temps, c'est juste que j'ai un manque de motivation. Un manque d'énergie. Voilà, j'ai même pas besoin de cliquer hein, sur Amazon Prime, ça passe tout seul d'un épisode à l'autre. Donc là je suis tranquille. Il faut que je mette à charger la vidéo de mercredi. Ça va prendre du temps aussi, donc je le ferai peut-être pendant qu'on prend l'apéro. Demain du coup on est quel jour, parce qu'il faut que je clôture les vlogs le samedi. Demain on est vendredi. Ok, donc je vous reprends de toute façon samedi. Samedi on se fera un petit make-up quand même. Donc comme vous avez pu le voir, ce matin j'ai fait mes ongles très tôt. Là il est 12h47 très précisément. Je vais aller manger parce que j'ai pas mangé. Hier j'étais tellement crevée que j'ai oublié de manger, je vous jure. Après je me suis rattrapée un peu sur le repas du soir que je vous ai partagé sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, je vous ai montré un peu étape par étape. Donc notre réveillon a été super calme. Hein, À minuit j'étais toute seule puisque mes deux hommes dormaient, voilà. En même temps, bon, chéri se lève à 4h30 au matin pour aller travailler. Donc comme il n'avait pas fait de sieste l'après-midi, c'était à anticiper. Et Georges a eu mal de la tête, il a eu une migraine fulgurante là. Donc je me suis retrouvée toute seule pour les 12 coups de minuit, parce que même les animaux dormaient, voilà, les chiens, le chat, tout le monde dormait, j'étais toute seule. Mais j'ai eu tous vos messages, donc merci infiniment, voilà, ça m'a énormément touchée. Il y a des messages vraiment adorables que j'ai reçus et qui m'ont vraiment vraiment touchée. J'avais la petite larmichette, comme j'ai dit en story, je transpirais des cieux. Voilà, donc aujourd'hui ce sera le dernier jour de ce vlog, hein. Je pense que je les ferai du lundi au vendredi, en règle générale, puisque le week-end, monsieur et Georges sont là, donc c'est le foutoir, je ne sais pas faire grand-chose, je ne peux pas parler avec vous, sauf si je vous prends avec moi dans le bureau, mais le week-end, en principe, on ne fait rien, on profite de notre week-end, c'est repos. Là aujourd'hui je vais encore vous prendre parce que je vais démonter le sapin avec chérie, voilà, parce que nous une fois que nouvel an est passé, le sapin il vire, voilà, en principe on le fait du premier au premier, enfin plutôt du 6, parce que normalement j'ai pas le droit de le faire avant le 6 décembre après Saint-Nicolas. Là il me laisse un petit peu jusqu'au premier, mais en principe le week-end qui suit le nouvel an on l'enlève, puisque lui il est là à la maison et que c'est lui qui doit m'enlever les trucs qui sont attachés en hauteur, le sapin, redescendre les caisses à la cave et tout ça, quoi, voilà. Donc moi là je vais aller enlever les bouboules et voilà, je crois qu'après j'aurai plus grand chose à vous dire, donc je pense qu'on conclura là-dessus. Enfin je viendrai quand même vous dire au revoir, hein, parce que je suis trop gentille, je suis trop polie. Et voilà, donc aujourd'hui je me suis quand même maquillée, je voulais pas filmer finalement parce que j'ai fait ça devant le PC en regardant Esprit Criminel pour changer un petit peu. Et j'ai utilisé la palette Sananas Round 2 avec Sephora. Je vais peut-être vous montrer d'un peu plus près. Voilà, bon il n'y a pas grand chose, j'ai pas fait grand chose. Juste un petit peu de make-up parce que comme je ne me suis pas maquillée hier, je me suis ennuyée. Et voilà, donc voilà, le reste de la journée, ça va être vraiment
très calme. Démontage de sapin et je vais devoir renettoyer ce week-end. Puisque c'est... j'ai l'impression qu'on vit à 15 dans cette maison. C'est tout le temps le bordel et c'est tout le temps dégueulasse. Alors qu'on est 3. Voilà. Enfin, après, il y a les animaux. Et vu le temps qu'il fait ces derniers temps, les grosses pattes de Ryan, ça fait des grosses taches par terre. Hein, parce que c'est quand même du tross comme ça. Le chihuahua, c'était comme ça. Mais le gros, c'était comme ça. Voilà. Donc, je vous ai déjà souhaité bonne année au début de ce vlog en anticipant la date de publication. Mais je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. Vous aurez encore mes voeux dans la vidéo du 6 décembre, puisque du 6 janvier, puisque normalement, cette vidéo-ci, ce vlog-ci, ne devait pas être en ligne. Mais comme je vous l'ai dit, je m'ennuyais trop. Voilà, j'avais pas de vidéo vraiment à tourner. Du coup, je m'ennuyais et j'ai envie de papoter avec vous. Alors, on se retrouve dans le vlog le plus chiant au monde, je crois. Mais au moins, c'est un vlog. Et puis, j'ai passé ma semaine avec vous à discuter, à papoter. Je pense que ça sera souvent ça, en fait, les vlogs. Hein, parce que j'ai pas une vie passionnante, donc j'ai pas grand-chose à vous montrer. Mais je vous trimballe un peu avec moi, droite à gauche. Et quand j'ai quelque chose à vous le dire, ben, je vous prends. Et voilà, et ça me plaît bien. Donc, je me suis encore bien éclatée à tourner ce vlog cette semaine. Et j'espère que ça continuera. De toute façon, on fera des vlogs tant que ça m'amuse. Une fois que ça m'amusera plus ou que vous, ça vous intéressera plus à les regarder, on n'en fera plus. Voilà, c'est pas définitif. Hein, mais on va voir jusque quand je suis motivée à les faire. Voilà, voilà. Encore une fois, j'appuie sur enregistrer et je ne sais plus me taire juste après, n'est-ce pas? On commençait aussi à avoir l'habitude. Je crois que j'avais rien d'autre de spécial à vous dire aujourd'hui. Pas particulièrement. Donc je vous mets en barre d'infos la référence du vernis. C'est un Elite 99, donc il vient de chez AliExpress. C'est mon petit kaki. J'aimerais bien le trouver un peu plus foncé, kaki foncé, parce que là il est un peu kaki très vert. Voyez, je sais pas comment expliquer. J'aimerais bien trouver un kaki. Allô, un kaki un peu plus kaki. Voilà, tout simplement. Donc là, pour l'instant, je vais un peu foutre la paix à maison, mais j'aime quand même bien mettre au moins du VSP pour déjà les durcir, parce que à force de les limer, comme je m'acharne dessus à les limer, ils deviennent trop fins et j'ai les ongles très sensibles. Et puis bon, celui-ci, j'aime bien cacher un peu le jaune du tabac, quoi. Voilà, c'est pas très glamour le doigt tout jaune. Et voilà, donc là, les petits détails qui sont dans les cuticules et sur le port et tout ça, je me suis pas trop acharnée dessus à les nettoyer, puisque comme ce soir, quand j'irai à la douche, ça va partir tout seul, ça va ramollir un peu les cuticules et les petites peaux sur le côté, donc ça va partir tout seul. Et voilà, mais j'aime beaucoup ce vernis. Bref, donc ben, je vous reprends pour le démontage de sapin, et je vous reprends à la fin quand même pour vous dire au revoir. Voilà. Et donc voilà, j'ai enlevé mon sapin, j'ai mis ça derrière, ça fait joli avec ma fée, je l'aime trop cette fée. Voilà, bon après je sais pas, là j'ai rangé les jeux PS4, un petit panier, mon reportage sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration, sur les juifs, j'adore ça.
En dessous, je sais pas encore ce que je vais mettre. Certainement des paniers avec du rangement, de bord, enfin avec du bordel dedans. Ça aura l'air d'être rangé sans être rangé. Là, il y a tous les trucs de Noël Alessandre à la cave. Voilà. Donc ça, chérie va faire juste après. Là, il est parti ramener l'appareil à fondu à mon frère, puisque du coup, il en a besoin pour ce soir manger avec les petits. Et voilà. Donc il est 15h41, très précisément. Donc je vais conclure ce vlog ici. Comme ça, je vais pouvoir attaquer le montage final de cette journée et regrouper toutes les autres journées. Et donc on se retrouve, puisque ce vlog-ci n'était pas prévu. Logiquement, le premier était censé être dimanche prochain, mais je m'ennuie quand je ne suis pas avec vous. Donc voilà. On se retrouve donc mercredi avec le crash test de mes cadeaux de Noël. Vendredi avec le swatch and make-up de la palette Slick que j'ai reçu de la part de Amy. Et dimanche prochain avec le vlog, tous les jours, enfin ces trois jours-là à 18h. Pas de changement dans l'heure de programmation, de publication des vidéos. Bien sûr, je laisse les hauls en bonus hein, quand il y en aura. Il y en aura très peu cette année, logiquement. Je me connais, hein. Je dois déjà repasser chez Action dans pas très longtemps parce que je vais essayer de profiter, enfin Action ou Hubo, parce que chez Hubo ils font des très bonnes promos de soldes une fois que Noël est passé, enfin des promos de, sur les articles de Noël, parce qu'il faut absolument que je rachète deux guirlandes blanches qui est la même tonalité de luminosité, parce que là j'ai une froide et une chaude et ça fait super pas beau dans mon sapin, donc il faut que je trouve les deux mêmes pour être sûr. Je mets toujours des blanches non clignotantes dans mon sapin. J'aimerais bien acheter des boules blanches plus que ce que je n'ai là pour l'année prochaine, parce que j'ai vu dans les vlogmas de Salomé, elle a fait un sapin sans guirlande, mais il y avait plus de boules que ce que moi j'ai, donc c'était super joli. Et l'année, enfin, fin de cette année, je ne mettrai pas de guirlande non plus, je vais essayer aussi, on verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien avoir plus de boules blanches et j'aimerais bien trouver une guirlande verte pour dans mon sapin de mon fond de vidéo pour cette année. Donc voilà. Mais il faut aussi que j'aille chez Action parce qu'il me faut des friandises pour les animaux. Il me faut deux, trois petites choses. Donc, mais tout ce qui sera haul sera en bonus puisque j'ai pas envie d'attendre pour vous partager si jamais il y a des nouveautés et ce genre de choses. Voilà. Donc on entame l'année officiellement à partir de mercredi. Mais aujourd'hui, c'était un petit cadeau supplémentaire. Voilà, parce que j'avais envie. Donc n'hésitez pas à liker ce vlog si jamais ça vous a plu. J'espère vraiment que celui-ci vous aura plu, même s'il est super chiant, parce que j'ai vraiment rien fait cette semaine de très extraordinaire. Et à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Et donc, je vous dis à mercredi. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous.